Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine, donc finalement je le sors un peu plus tôt. Euh, alors, c'est bien parce que là, le mois d'octobre commence un peu plus légèrement. Vu ce qu'on s'est tapé en août, en septembre, c'est pas plus mal. Et ça fait du bien de retomber sur des semaines un peu plus tranquilles, parce que là, là en termes d'argent, c'est pas possible. Alors, nous attaquons avec Atom le Magazine, volume 15. Et alors là, j'en je, parle un petit peu, d'habitude j'en parle pas trop, mais là, ça va être sur igno Asano, et en plus là, ils ont fait une campagne... Par rapport à ça, euh, qui voilà pour avoir des classique pour avoir une édition collector avec plein de trucs de New Asano, bref, un, un truc euh, super classe. Là, il reste encore quelques jours, euh, ça se finit le 4 si je dis pas de bêtises, bah, le 4 octobre. Donc voilà, pour ceux, non, s'il y en a qui veulent encore aller voir, allez-y, ça se trouve assez facilement. Voilà, bon, je, je sais qu'il y en a qui sont en mode bon, on s'en fout, mais il y en a quelques-uns qui sont très, très, très intéressés. Hein, quelques personnes, je pense, enfin, bon, voilà. C'est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a que ça va intriguer. Amour à l'excès, volume 11 de Panini, je ne connais pas du tout. <laughs> je ne connais pas du tout. Mais à voir, pourquoi pas. Anonyme, volume 2. Bah, Paris, j'ai pas lu le premier tome de Anonyme, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. J'ai pas eu l'occasion de le lire encore. Je vous dis, de toute façon, là, en termes de titre, je suis à la ramasse. Total <laughs> Il y a plein de titres que j'ai pas pu lire par manque de temps, d'argent, truc du genre. Donc bon la scénération c'est un peu compliqué. Enfin bref, de toute façon je pense que d'ici 2021 ça devrait se régler assez tranquillement. Mais là pour l'instant, ouais c'est un peu la pause là-dessus. Hein. Le baiser du renard volume 3. Ça pareil, je n'ai pas lu. Dans le sens du vent nord-nord-ouest, volume 3, j'aimerais bien lire la suite parce que le manga de base était intriguant, Après, on m'a dit que ça commençait à partir un petit peu en cacahuète, c'est ce qu'on m'a raconté. Je bah je verrai. En tout cas, moi, j'avais bien aimé le premier tome. Maintenant, à voir. Euh, ensuite nous avons Jeune Dragon Recherche Appartement aux Nougeons Volume 4. Le titre était clairement pas ouf, hein ça fait partie de la, la, la collection fantastique euh, de Soleil. De, de tous les titres qu'ils ont sortis, c'est clairement le titre le moins intéressant, là, le mieux que j'ai eu. Euh dans tous les titres qui sont sortis, c'était le dragon et la nonne qui vraiment lui par contre est exceptionnellement drôle. Voilà, c'est pas une grosse histoire, mais si vous avez envie de rigoler, alors là le manga fait totalement son taf. Et je vous le conseille très 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 fortement. Mais là jeune dragon recherche appartement, beauf. Mon perso je passe mon chemin. Hein. Euh, Assassin's Creed le roman, volume 1, bon là roman, Assassin's Creed Blade of Jun, volume 2. J'ai toujours pas lu le premier tome, mais je suis intrigué. Je suis intrigué par cela. Back to you, un manga, euh, je l'ai mis en plus, mais non, moi, je m'en fous en fait. Euh, back to you, donc pour l'instant, un tome, c'est pas fini en un tome, si, je sais pas. Euh, alors, Sayako et Naoiko sont en couple depuis presque 10 ans, mais installés dans la routine, leurs relations semblent battre de l'aile, vie sexuelle peu épanouie, petite attention oubliée, Sayako commence à douter, d'autant que son conjoint ne semble pas prêt, euh, pas prêt, à la demander, euh, il manque un mot là, pas prêt de la demander en mariage. <laughs> Comme s'il avait peur de s'engager, tandis qu'elle doute un soir, un étrange phénomène se produit. En descendant les marches d'un escalier, elle retourne dans le passé et rencontre Naiko alors qu'il était encore lycéen, alors qu'il était encore celui dont elle était tombée amoureuse. Mais lui, dans cette nouvelle réalité, il ne la connaît pas. Est-ce un rêve ou une illusion Comment alors une curieuse triangle amoureux entre elle, une femme proche de la trentaine, son conjoint désabusé dans, la, dans le présent et un lycéen du passé Waouh Ça m'a l'air bien, 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 bien drogué, tout ça, là. J'adore, en vrai, la couleur des cheveux de la fille, par contre. À voir, ouais, ça peut être intéressant. Mais, voilà, le résumé était... waouh, Juju Kayson Ben, moi, ce n'est pas un titre qui m'intéresse du tout. Voilà, bon, je lirai la suite à l'occasion. Mais, clairement, je suis très mitigé sur ce titre-là. Le Livre du Démon, volume 5, c'est pareil. J'ai clairement pas continué. Je ne pense pas continuer. C'était un des... Potentiel gros titre de Komiku, mais pour moi ça a été euh, une grosse déception. Voilà, une très très grosse déception. Euh, My Hero Academy, Tour Hero, ça paraît, je ne suis pas un fan hardcore de My Hero Academy. Il faudrait que j'attaque à l'occasion, le manga ne m'attire absolument pas. Euh, Persona 5 volume 5, ça, ça paraît, c'est une série que je. Bah voilà, c'est pour les fans de, du jeu vidéo, moi je ne connais pas trop le jeu, donc du coup, il ne m'attire pas plus que ça. Euh, Switch Me On volume 1. Qui sait, ça c'est en trois tomes encore en cours. Koyaori est de nouveau célibataire, euh, larguée par son copain qui l'a trompée avec une autre. Elle cherche à noyer son désarroi dans la colle. Le lendemain, elle réveil elle réalise qu'elle a couché avec Ijiri son ami d'enfance. C'est avec ce timing improbable que ce dernier profite de l'occasion, lui avouer qu'il l'aime depuis longtemps et qu'il était temps pour eux de se mettre en couple. Un petit salopio. Alors le fait qu'il ait qu couché avec elle. Euh... Quand elle était bourrée, ça par contre c'est pas très cool, mon gars. Je suis désolé, mais ça j'adhère pas. J'adhère pas du tout. C'est que tu lui avoues ses sentiments, tes sentiments, parce que elle, est... elle était plus avec euh, son ex. À la limite, on va dire que ça, bon, t'aurais peut-être dû attendre un petit peu. Hein, mais c'est vrai que ça peut euh, se rapprocher du bon timing. Mais là, là, coucher avec elle alors qu'elle est complètement torchée et qu'elle te fait quand même confiance, et... c'est pas terrible quand même. Là, c'est un peu bâtard. Hein. Je suis désolé. Je trouve ça bâtard. The Killer Inside Volume 3. J'avais bien aimé le premier tome, il faut que je continue. Asadora Volume 3, je n'ai pas encore lu et j'aimerais bien lire le manga également. Euh, Corps solitaire. J'aime beaucoup la couverture, t'es juste comme ça. La couverture me, me plaît bien. Et de quoi que ça parle C'est encore en cours. « Michi a 32 ans, sa relation avec son mari n'est pas mauvaise, mais une seule chose fait défaut. Cela fait deux ans qu'ils n'ont plus de relations sexuelles Ah, ça, ça pique. « Lors d'une soirée entre collègues, elle se confie à l'un d'eux, Makoto, à la même problème. Mais c'est sa femme qui ne semble plus avoir de désir pour lui. Euh, pouvoir en parler permet à Michi de reprendre espoir et de se lancer dans la re reconquête de son mari. » Ok, donc elle va essayer de coucher avec lui. C'est vrai ouais que c'est triste quand même, hein, quand t'es en couple avec quelqu'un et qu'il n'y a plus aucun désir charnel. Moi, perso, ça me rend triste centimètres par seconde le roman moi j'ai lu le manga ça me suffit largement Arif Arifureta de 0 à volume 3 j'aime beaucoup la couverture j'ai pas lu le manga encore mais en tout cas je le lirai c'est sûr Battle Game à attends 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 on est en train de dépasser là je suis con moi je suis en train de dépasser toi là je suis en train de dépasser Ouais, je me rappelais mais attends c'est plus court que ça donc le dernier tome c'est Corps solitaire en dessous on passe à la semaine d'après donc stop on s'arrête là on s'arrête là ouais la semaine là qui vient bah est très courte très très courte donc euh, c'est tant mieux, ça fera du bien en porte-monnaie. Et du coup, bah, on aura la semaine prochaine pour le reste du mois d'octobre. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.